Et bonjour, bienvenue au stand donc de la conserverie Jean-de-Luz, Bâtier-les-Coux. Donc conserverie de poissons de Saint-Jean-de-Luz. Donc on présente ici les produits. Donc la sardine, le thon, le maquereau et un peu de morue aussi. Donc ce sont les poissons que l'on travaille principalement. Donc on est une petite conserverie artisanale. Donc on est à zone de Jaldaï. On est transformateur pour être précis, donc on achète le poisson entier à la criée, donc au port de Saint-Jean-de-Luz. Donc principalement, comme je disais, le thon, donc le thon blanc germant et la sardine, donc qu'on ramène à la conserverie et qu'on coupe, donc selon les formats, donc on fait des pâtés de poisson, des terrines. On présente aussi le thon à l'huile, filet à l'huile, donc c'est juste le produit brut. Et on fait aussi des plats cuisinés, donc des pots un peu plus grands pour deux personnes, donc à réchauffer, de la brandade, soupe de poisson, chipiron, thon basquez, etc. Ensuite, tout ce qu'on ajoute, donc tous les ingrédients que l'on achète sont bio. Donc on a décidé de faire de la qualité, donc déjà du verre, et on s'est dit ben, on va y aller à fond, donc on va se mettre en bio directement, bio et local je dirais, notamment pour l'huile d'olive qui vient du sud de Pampelune, donc de Tudela exactement. Très important pour nous puisqu'on en met dans tous nos bocaux, on passe quand même beaucoup de litres par an. Et voilà, elle était importante pour nous qu'elle soit bio et locale. Ouais, donc on est donc présent pour la deuxième année donc à ce salon. Important donc pour rencontrer tous les professionnels. Donc il y aura des restaurateurs, des épiceries fines, des gens qui sont en cours de création aussi, des entreprises qui sont en cours de création plutôt, style épicerie fine, petit magasin bio, etc. Et aussi important de rencontrer nos amis producteurs qu'on voit de temps en temps dans l'année. Donc là on a le temps d'échanger avec eux, savoir comment ça se passe. Voir ce qui se fait de nouveau aussi, voilà, c'est une après-midi par an, mais c'est très sympa, c'est à Biarritz. On est très bien accueillis, donc voilà. Okay, point de vente. Point de vente, donc bientôt à la conserverie, donc directement à Saint-Jean-de-Luz. On devrait ouvrir notre propre boutique d'ici 2 à 3 mois, donc avant l'été, en juin. Et sinon, des revendeurs, épicerie fine, magasin bio, donc sur le port de Saint-Jean-de-Luz, au comptoir du pêcheur, à Cibourg, donc comptoir cibourien. Et ici à Biarritz, Biocoop Parme, donc la Biocoop près de l'aéroport. Et plein d'autres vendeurs pareil sur Bayonne, Anglette, etc. Qui revendent nos produits.